penses avoir le talent et la motivation pour développer ton idée d'entreprise? Eh bien, le territoire de la Côte-de-Beaupré, situé à quelques minutes de la capitale nationale, t'ouvre grande ses portes et t'offre un environnement de travail idéal et prospère pour tous les futurs entrepreneurs. Découvre ce lieu historique ainsi que ses nombreux artisans qui ont fait la renommée de cette région comme l'un des berceaux de l'entrepreneuriat d'Amérique du Nord. Bienvenue sur la Côte-de-Beaupré. Si on veut définir l'entrepreneuriat, en fait, c'est ça, c'est la ténacité, c'est la tête dure, c'est la tête debout, comme on dit. Il faut absolument être très décidé, savoir où on s'en va et décider par-dessus tout que c'est à cet endroit-là qu'on s'en va. Effectivement, notre entreprise chez Vertigo Gourmet n'a pas été créée sur le dos d'une serviette de table. Elle a été créée avec un plan d'affaires bien écrit, un plan de financement complexe, avec plusieurs intervenants de différents secteurs de l'économie de la Côte-de-Beaupré, dans le CLD, la SADC, la BDC. Bien, je vous dirais, c'est avoir le goût d'action. Vraiment, quand on a le goût d'action, puis on aime que ça bouge tout le temps, bien, on est en bonne branche au niveau d'être entrepreneur. Chaque journée est différente, chaque journée apporte un nouveau défi, une nouvelle réponse à un problème. Bien, les principaux défis dans le contexte d'avoir une entreprise sur la Côte-de-Beaupré, c'est sûr, c'est le défi de l'accessibilité, le marché. Le marché pour nous est à Québec et est à Charlevoix. Moi, quand j'ai commencé la ferme du Bontemps, je me suis tout de suite mis à jour sur les organismes du milieu qui pouvaient m'aider. Même s'ils ne pouvaient pas m'aider à court terme, je voulais quand même apprendre à les connaître, savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Puis par exemple, dans le cas du CLD, de la SADC, les premières années, c'était juste du conseil, c'était juste d'échanger avec eux autres, t'sais. Parce que des fois, les gens, ils se pensent, bon, on va cogner une porte, ils peuvent pas nous prêter de l'argent, bon, ils sont bons à rien. Mais finalement, je pense que avant d'aller voir des organismes pour demander des sous, c'est d'abord d'apprendre à les connaître, puis d'apprendre à ces organismes aussi qui on est, puis vers où on s'en va. Les perspectives d'avenir sur la Côte-de-Beaupré sont très, très bonnes, en fait. On est dans une région qui est en effervescence. On sent beaucoup que l'économie, dans la région de Québec, la capitale nationale et Charlevoix, tout ça, c'est une région dans laquelle on sent une effervescence. Beaucoup de projets nouveaux, beaucoup de gens viennent s'établir dans notre région. Donc, je vois d'un très, très bon œil les années qui s'en viennent. Donc, je pense qu'effectivement, c'est très positif. Il suffit d'avoir encore quelques projets formateurs puis constructifs dans la région de la Côte-de-Beaupré pour que cette région-là redevienne en fait ce qu'elle a toujours été, le berceau de l'entrepreneuriat du Québec. Alors, quand on est une plus petite entreprise puis qu'on commence à, je donne un exemple, un 5, un 10, un 15 employés, bien, les gens du coin viennent y travailler puis on n'est pas limité par la main-d'œuvre. Par contre, quand on est un petit peu plus gros, nous, à 250 employés, bien évidemment, la main-d'œuvre locale ne suffit pas pour l'entreprise. Il faut aller un petit peu là, ailleurs, c'est-à-dire plus vers Québec, tout ça. Puis c'est là qu'on a un petit peu plus de difficultés parce qu'il manque certains services, dont le transport en commun. Là. Et puis aussi tout le côté touristique, hein, avec que ce soit le Mont-Sainte-Anne, que ce soit le tourisme religieux, tout le volet touristique de la Côte-de-Beaupré demeure encore à être développé. Il y a beaucoup à faire. Il y a tellement de belles choses inconnues encore, des secrets cachés sur la Côte-de-Beaupré. On est près de Québec. Québec est un peu est plein de... Je veux dire, il n'y a plus de place pour construire et on est maintenant une avenue logique pour les résidents de Québec de s'approcher vers la Côte-de-Beaupré. Il va y avoir un boom sur la Côte-de-Beaupré de construction, rénovation. Le massif est presque sur la Côte-de-Beaupré aussi. Fait qu'il y a un marché, avec le massif, un marché à venir pour les 20 prochaines années dans le domaine de la construction, dans tous les domaines connexes. Au fait qu'il y ait des gens qui vont travailler, des gens qui vont avoir besoin de nourriture, de loger, un supermarché, Côte-de-Beaupré, Charlevoix. Là. Pour beaucoup, le réseau de contact, c'est ce qui fait qu'on réussit à passer souvent au travers différents problèmes. Je pense qu'au niveau de chacun des entrepreneurs que je connaisse, tous vont vous dire que le réseau de contact est absolument primordial.
De nos jours, les frontières sont très, très, très minces. On peut, nous, chez Vertigo, on est sur la côte de Beaupré, à Saint-Hyacinthe. On fait affaire avec Toronto, avec Montréal, de façon quotidienne. Le réseautage, pour moi, c'est une clé dans le développement d'une entreprise. Moi, je crois que toute seule, on peut aller vite, mais à plusieurs, on peut aller loin, surtout. Les réseaux de contact pour une entreprise comme la nôtre, surtout dans la croissance actuelle, le réseau de contact est essentiel. C'est un point que, personnellement, j'avais négligé dans les dernières années, que présentement, c'est une de mes fonctions de mon rôle de directeur général, c'est de travailler sur le développement des affaires, participer à des activités, peu importe, mais essayer d'essayer d'être présent dans toutes les activités qu'on possède, puis serrer des mains, puis être connu, puis c'est essentiel. Un contact peut apporter plusieurs clients. Tous les jeunes qui nous écoutent, si vous avez un rêve, croyez-y, puis allez-y, puis foncez, puis essayez-le au moins. Je pense que si vous sentez que vous avez l'énergie, bien, il faut y aller. Et si vous sentez que vous avez une petite fibre d'entrepreneur en dedans de vous, il faut l'allumer parce que c'est certain qu'il y a quelque chose là qui demande qu'à être exploité. Pour avoir du succès, bien, il faut avoir une entreprise qui va bien, une entreprise où est-ce que, oui, l'entrepreneur est heureux, mais aussi l'équipe. C'est d'avoir une bonne équipe, d'être bien entouré, je pense que c'est la clé du succès. Puis, parce qu'on ne peut pas tout faire ça, surtout pas une entreprise qui a une certaine croissance, il faut être bien entouré. Je pense qu'un entrepreneur doit être bien entouré pour réussir. Puis, je pense que c'est ça qui est important, de garder là, quelque chose qui est authentique à nous-mêmes, puis de développer ça là, pour évoluer avec ça. Là. Pour devenir un bon entrepreneur, je pense que c'est la ténacité d'abord et avant tout. Il faut apprendre à travailler longtemps, à travailler fort et à ne pas se décourager surtout parce qu'il y a plusieurs embûches. Puis tout le monde est là pour mettre des embûches dans le parcours d'un entrepreneur. D'aller consulter les ressources du milieu, c'est-à-dire le CLD, la SADC, les centres financiers aux entreprises, les différents organismes financiers comme les banques, les caisses populaires, tout ça. C'est très, très, très important. Puis si vous voulez réussir, ça va vous prendre l'appui de ces gens-là. Aucune entreprise peut démarrer de façon convenable sans avoir un plan de financement correct. Et puis, c'est rare que ce soit la spécialité des entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est plus des gens à aider. Les gens des différents organismes vont vous aider à mettre en place un plan financier, un plan de financement. Même votre plan d'affaires, ils vont pouvoir vous donner un bon coup de main à ce niveau-là. C'est important de les consulter. Je vous dirais que les compétences nécessaires pour devenir un entrepreneur à succès, bien évidemment, c'est savoir prendre des risques, savoir prendre des bons risques calculés, comme on dit, s'entourer d'une bonne équipe, parce que quand on est entrepreneur, puis qu'une entreprise grossit au départ, on peut tout faire par nous-mêmes, mais évidemment, plus l'entreprise grossit, bien, on ne peut pas voir à tout ce qui se passe dans l'entreprise. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Bien, pour un organisme comme la SADC, l'important pour un jeune qui veut se partir en affaires ou qui veut devenir entrepreneur du jour au lendemain, c'est sûr que c'est donner le goût d'abord d'entrée de jeu à ces jeunes-là de développer l'esprit d'entrepreneurship. Et une fois que la graine est plantée, bien là, à ce moment-là, on peut accompagner. Pour devenir un entrepreneur à succès, je pense, en fait, un entrepreneur tout court, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation, ça prend beaucoup de persévérance. Il faut croire vraiment en son projet et surtout, surtout, c'est de la passion que ça prend. Il faut croire en son projet, en manger, parce que à chaque moment où il y a une difficulté, si on n'est pas passionné à fond, si on n'y croit pas, et on a le goût de lâcher, parce que des fois, les côtes sont dures à monter en entrepreneurship, mais quand on l'a monté, on est tellement fiers, puis on en ressort toujours plus fort, avec beaucoup plus d'expérience.